Monsieur Laval continuait à nier avoir porté atteinte au corps de son épouse et face notamment à la demande pressante de ses beaux-parents qui l'ont imploré de dire toute la vérité. Et après un temps d'échange avec ses conseils, Monsieur Laval a finalement admis qu'il avait non seulement donné la mort à Alexia Laval, mais qu'il avait également procédé à cette crémation partielle du corps.